Bonjour, nous sommes aujourd'hui le dimanche 27 septembre. Il est 5h moins le quart et je vous amène. Nous allons nous promener au quartier du Buisson pour aller voir la fontaine Espoir qui vient d'être rénovée. Je sais, je vous l'ai déjà présentée, mais je veux vous présenter comme elle est maintenant. Allez, on va par là. Je ne vais pas prendre cet escalier et tout casse-gueule en descendant. Je vais donc à pied. Par ici. Je suis donc arrivé maintenant au bas de la butte de Nito. Allez, maintenant direction le quartier du Buisson. Reflet dans la glace, dans la vitre. Maintenant nous allons passer avenue Émile Ginot. Les Aspen Tower. Magnifique, quelqu'un a eu l'idée de planter ces fleurs au pied de cet arbre. Je vais passer par là. Non, par ici. Et nous voici, nous arrivons devant cette petite placette. Ouh, on dirait que les arbres ont été coupés, ils ont une forme maintenant. Allons voir ça de plus près. Très jolie petite placette, mais quel dommage que ce soit envahi d'herbe. Oh, pour le nettoyer avec de façon écologique, il suffirait d'utiliser la binette. Bon, d'accord, il faudrait du temps, mais on n'est pas pressé. Pour ceci, il y avait du gravier. Quel dommage. Et là, en dessous, il y a l'ours qui coule. Mais on ne peut pas la voir, hélas. Pourtant, il serait facile de donner une forme à ces arbres qui sont là, et on pourrait ensuite bénéficier de cette petite rivière paloise. On pourrait voir son cours, ça serait super. Là, on la devine. Regardez, on la devine. Quel dommage qu'on ne puisse pas mieux la voir. Là n'est pas le but de notre promenade. Nous allons continuer pour arriver à la fontaine Trespoil par un chemin différent que d'habitude. C'est par ici que nous allons passer. Allez, direction le fond et ensuite à gauche, nous allons passer devant les jardins ouvriers et monter la grande côte qui est en sens interdit. Là, ce sont les jardins ouvriers. Et ici, c'est explicite. Regardez, des châtaignes. Allez, maintenant c'est l'exercice. Il faut monter cette côte qui est rude. D'habitude, je descends la côte car j'arrive à la fontaine Trespoil par l'avenue Trespoil. Et aujourd'hui, j'ai voulu changer. Nous longeons les murs des villas qui sont à l'avenue Trespoil et leur jardin donne ici. Et vous voyez le panneau à gauche, c'est aussi un sens interdit. Cette avenue est un sens interdit pour la montée et pour la descendre. Maintenant que je vous ai montré ça, nous continuons pour arriver au fond à la fontaine Trespoil. Son inauguration officielle a eu lieu, c'est un adjoint au maire qui est venu. Mais c'était sur invitation. Je n'ai donc pas pu vous présenter le reportage de cette manifestation. Dommage. Regardez, c'est nickel. C'est très bien nettoyé, c'est propre. Du sable a été mis, du gravier a été mis, c'est très joli. Regardez ici. Eh bien, ce sont des jeunes gens qui sont venus se reposer ici, qui sont sur le banc à côté de moi. Ils ont ramassé ces verres et ces bouteilles qui étaient disséminées par terre. Ici,
les cailloux du Gave ont été cimentés. Avant, il y avait une poubelle. Eh bien, égayez ta poubelle. Il serait peut-être bon d'en mettre deux. Ça éviterait à ces jeunes qui sont très gentils de récupérer ce que les autres ont eu le culot de laisser par terre. Oui, c'est très joli. De la fontainette est recimentée. C'est très bien. C'est un lieu maintenant de rendez-vous où on peut venir passer un moment agréable dimanche et pourquoi pas pique-niquer ici, à l'ombre des arbres, sous ce banc. Il y en a qui se sont débarrassés des choses, de bouteilles en plastique. C'est une honte. Voici, c'était ma vidéo de ce dimanche 27 septembre pour vous montrer la rénovation de cette fontaine paloise qui est très ancienne et c'est vraiment une réussite. Seulement, on souhaite, comme beaucoup de personnes, qu'il y ait à nouveau des poubelles tout autour. Pas une, mais au moins deux ou trois.